Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir En tout cas, on va jouer à un personnage qui se transforme en dragon, ça va être extraordinaire. Donc c'est parti, on perd pas de temps, bien sûr, ça sert à rien de blablater. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Blablater, d'accord, c'est parti. I always used to dream of an amazing world beyond the clouds. Dreams that felt so real. The visions I had surprised my parents. Because it was not the world we lived in. It was a world I could never have seen. A world lost to war. My parents told me tales. Of massive creatures called titans that once protected the world. I stared at their pictures in storybooks. While my parents spoke about how I might be the one to bring them back. Ouh, j'avais dit que ça s'appelait comme ça. My parents told me that my dreams gave them hope. Hope that my future may not be tied to this dark world. But they seemed so sad, hugging me as if they'd never let me go. One day, my parents took me to a strange doorway. They told me not to be scared. They told me everything would be okay. T'inquiète pas, tout ira bien. Va dans la porte. As I stepped into the light, I turned. My parents' faces were covered in tears. Mom, Dad. Where am I? Bon alors je vous ai passé le tuto bien entendu parce que c'était un petit peu long et fastidieux, donc c'est parti. Donc nous sommes un petit garçon qui peut-être dans ses rêves, on sait pas. En tout cas, il a la faculté de se transformer en dragon. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Je peux faire des petits ronds pour faire des pouvoirs magiques qui ne servent à je ne sais pas quoi. Je peux sprinter. Et ma chose de sprint, normalement, c'est mon tatouage que j'ai sur le dos. Avez-vous vu? C'est quand même fou. Et je peux récupérer des bouboules magiques qui me servent à... Bon, peu importe. Je pense que de toute façon, il faut que j'aille sur le rayon magique qui est jusqu'au bout. Et je pense que le but du jeu, il me semble que c'est de battre des titans. Je peux me tromper, mais il me semble que je me trompe pas. Alors quand il y a ces petits socles là, ça veut dire que je peux me poser en tant que petit garçon. Ah! Mais ça va pas, non? J'ai dit là. Voilà. Des transformations! Et donc... Ah, il me faut 10 boules bleues. Ok. Allez, on va trouver les 10 boules bleues. Bon, maintenant qu'on a nos 10 trucs, on va les actionner. Le truc, je sais pas quoi ça va servir, mais ça va certainement servir à quelque chose, j'en suis sûr, hein. Ah bah ça. C'est parti, actionnage. Oh mon dieu, attendez, on va peut-être faire apparaître une Raymanta. Par contre, le petit garçon, il est pas beau, hein. Ah, je l'aurais renié à la naissance, hein. ça je vous le dis tout de suite. Oh, il s'est sifflé. Bon alors, est-ce qu'on a débloqué ce maudit monté? Titan!
incroyable. Nous allons débloquer donc le titan Raymanta. On va devoir battre. On doit jouer un enfant malade ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Boum! J'ai capturé un bout de son dos. Mec, il comprend rien. Nickel! Attention, l'autre! Boum! Oh là 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 là, tant d'épicness incroyable! Toi, à ton tour! Ting! Quoi? C'est bon, vous avez compris maintenant que je comprends absolument pas ce que je suis en train de faire. En tout cas, j'essaye. Hein. On va tester, voir ce que ça fait. On fait tous les petits morceaux. Clic! Clic, clic! Et le dernier, donc, normalement. Et voilà! Easy! Un portail vient de popper sur le dos du titan. Allez, transformation. Et la porte. La porte qui mène, bien entendu, à ton cœur. Maintenant, je peux appeler des gens. Oh, il y a des gens qui sont fiers de moi. Bravo! De entendre ma voix pour être calmé, le titan. D'accord. Donc, je siffle. Calme-toi, titan! Tout va bien se passer! N'aie pas peur! Réessaye encore une fois! Vous avez vu comment je tire bien? Et ça ouvre encore une autre porte blanche. Et des portes blanches partout dans le jeu, c'est incroyable. Oh là 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 là! Tellement de secrets dans ce jeu, je vous le dis. Tellement pas de charisme pour ce personnage, je vous le dis. Et par contre, les titans, ils sont cool. Ils ressemblent un peu à aux titans, bon, vite fait, hein, de Breath of the Wild. Cette fois-ci, le titan, ça va être un oiseau. C'est parti! Voilà, est-ce que ça va être la même chose? Ça va être aussi easy? Est-ce qu'à un moment donné j'aurai un petit peu de difficulté? On verra ça. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Saisir. Je comprends pas tout. Hein. Je vous la. Oh mon dieu! Il accélère le Xaligo! Et non, tu vas où? Clac. Clac. Ah, ça y est, j'ai compris. Attention, il va s'accélérer. Oh là, regardez, je m'accroche avec mes petites dents. Tel un plongeur sur un requin, quoi. Incroyable. Hop là. Bam et bam. Donc, pour ceux qui comprennent pas, je vais essayer de vous expliquer. Ah, vas-y, hop. Oh là là, je suis encore accroché avec mes dents. Les dents des requins. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Voyez-vous, il y a deux petits boutons en haut. Et en gros, faut que je trouve le meilleur chemin le plus optimisé. Donc là, vu qu'on est dans les premiers niveaux, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Mais donc on va faire sur le côté le petit machin rond, jusqu'à arriver au prochain carré. Et pof, c'est gagné. Et après, on se dépêche et on accroche l'aileron du requin. Ah bah non, ouais, c'est bon. L'aileron du requin, vite, 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 vite. Non, l'aileron du requin. Oh, l'aileron. Attention, paf, pif, on saisit. Et on accroche l'aileron, non pas du tout, tant pis. Ah. Non mais il fait des picots là, ça va hein. Déjà que je m'accroche à un aileron de requin d'oiseau, c'est déjà assez difficile comme ça. Le dernier. Alors là, faut bien calculer, bon ça, il n'y en a que 3. Donc, pas compliqué. Eh ben nickel. On a compris comment fonctionnait le jeu. Bravo. C'est pas fini.
Ah si, il s'en va. Au revoir, oiseau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cassé, il est pété. Qu'est-ce qui lui arrive? Le titan est décédé. Enfin non. Il est pas mort, mais on l'a capturé, voilà. Transformation en humain. Et on passe la porte. Et là, pouf, il fait une accélération et je tombe. Et c'est la mort du héros non charismatique. Alors c'est le moment de siffler, bien sûr. Et ben voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce jeu vous a plu. Je trouve ça rigolo, je trouvais ça sympathique. Je sais pas si à la longue c'est intéressant. Je pense que les boss vont devenir plus en plus durs, certainement. Et puis voilà, que dire de plus sur Hour? Bah, c'est que c'est un jeu sympathique, mais qui a pas forcément. En tout cas, au tout début, n'a pas vraiment l'âme d'un Abzu ou d'un Johnny. Bon, on est un dragon, c'est cool. Les contrôles du dragon sont un petit peu bizarres, ça je vous l'accorde. Mais bon, voilà. Donc c'est cool, c'est un jeu bien sympathique, à voir c'est bien à la longue. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine les amis, j'espère que vous avez vu, j'aime le commentaire, et bien sûr le partage, et la petite cloche, si vous vous abonnez, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne, incroyable, cloche. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao.